Avec nous sur Futur Africa, Madame Noufissa Kessar, directeur exécutif de la SNI. La SNI qui est un des promoteurs, par exemple, du 5e Forum international africain de développement. Madame Kessar, pourquoi la SNI a-t-elle souhaité être promotrice d'un tel événement ? Alors, nous sommes promoteurs de cet événement parce que c'est le groupe Atijari Wafa Bank qui représente l'une de nos principales participations dans le périmètre d'intervention, qui est en fait la cheville ouvrière et qui a été l'organisme derrière l'initiation, la conception, le montage de tout ce qu'est devenu aujourd'hui le Forum Afrique Développement. C'est la 5e édition de ce forum international sur le développement avec cette thématique du développement inclusif. L'évolution du forum en 5 éditions, son importance aujourd'hui pour aider à la croissance du développement entre les pays en Afrique. Alors pour nous, pour la SNI, le fait que nous soyons d'abord, nous représentons un certain nombre de secteurs d'activité, nos participations. Pour certaines d'entre elles, la partie l'internationalisation des métiers est déjà largement en marche. Donc ce sont des participations qui sont très présentes en Afrique. Et pour d'autres, c'est un challenge à relever. Donc de devenir africaine, d'internationaliser le métier, d'exporter un savoir-faire, une manière de faire. Donc les participations de SNI sont aujourd'hui, font partie des opérateurs qui sont présents et qui font en fait les contacts, les rencontres, les entrevues du forum. Les principaux obstacles aujourd'hui auxquels vous vous attaquez, que vous essayez de lever pour pousser le développement, la croissance économique en Afrique, quels sont-ils ? Alors, les principaux obstacles, disons que nous, en tant que fonds d'investissement avec une forte vocation panafricaine affirmée, nous sommes beaucoup dans la stratégie, dans la conception, mais le principal obstacle, c'est un obstacle d'exécution opérationnelle. Alors quand je dis exécution opérationnelle, ça peut être des pesanteurs bureaucratiques qu'on rencontre localement, mais il faut quand même avouer que si on regarde sur les quelques dernières années, sur les 5 dernières années particulièrement, il y a eu une amélioration très notable par rapport à ce sujet. Donc au-delà des pesanteurs bureaucratiques, il y a la partie capital humain, parce qu'entre les projets et leur exécution opérationnelle, elle ne saurait se faire si nous n'avons pas les hommes et les femmes à la fois au Maroc voulant s'expatrier et sur place voulant relever le challenge. D'autant plus que pour nous, l'expatriation dans tous les projets, dans tous les sujets, n'a toujours été qu'une solution à court terme, parce qu'elle est faite pour enclencher le process, mais à terme, les projets doivent être viables, locaux et contribuer de manière importante dans le développement socio-économique du pays dans lequel nous nous implantons. D'où l'importance d'un événement comme celui-là, comme ce forum, qui permet d'ouvrir, qui permet de multiplier les échanges, notamment des nouvelles générations que vous venez de citer. Tout à fait, tout à fait. C'est un relais pour nous parce qu'en fait, vous avez des générations, vous avez des changements. Donc la régularité de ce forum est importante pour justement maintenir le flux et mettre à jour régulièrement les compétences, les opportunités. Donc c'est vraiment un sujet qui s'inscrit totalement dans la politique d'investissement de SNI. Ma dernière question, vous avez parlé de stratégie. Votre stratégie et non, s'inscrit dans celle du Royaume du Maroc, qui aujourd'hui est une stratégie d'ouverture, de retour dans ce qu'on a appelé ici la famille africaine, l'Union africaine, mais aussi la CDAO. L'importance de cette décision pour vous ? Alors l'importance, d'abord, elle est quelque part, elle a une profondeur historique. Parce que nous étions africains, nous l'avons toujours été. Nous avons dans le périmètre SNI, SNI qui fêtera bientôt son siècle d'existence, mais nous avons des filiales qui sont africaines depuis le début du siècle, depuis les années 20. Donc si vous voulez, le sujet n'est pas vraiment nouveau pour nous, mais aujourd'hui il trouve une nouvelle dynamique parce que ce n'est pas un sujet d'africanité à la mode, c'est vraiment un sujet d'ouverture. Aujourd'hui nous avons un leadership qui est affirmé sur certains métiers localement et clairement c'est une évolution naturelle que de sortir au niveau régional et d'avoir une coopération sud-sud, quelque part dans un territoire qui nous est naturel, celui de l'Afrique. Donc l'adhésion justement à la CDAO
toutes ces, on va dire, ces regroupements sont des zones naturelles pour notre évolution à terme. Donc quelque part, je partirai de la profondeur historique pour acter quand même la vraie dynamique qui s'est installée ces dernières années et qui est particulière, et pour donner un élan et une dynamique nouvelle à ce que nous voulons faire, non seulement au Maroc, mais à extrapoler sur l'environnement africain. Merci Madame Kessa d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci à vous.